welcome to my channel. J'espère que tu vas bien et que tu as la positive attitude. Moi, c'est Saouda. Welcome. Et la team Saouda, comme d'habitude, on s'enjaille ensemble. J'espère que vous allez tous bien chez vous et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques produits que j'ai achetés. Sans plus tarder, on va aller voir tout ça. Let's go! Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques produits à petit prix, ce que moi j'ai acheté. Franchement, c'est vraiment à petit budget pour tout le monde. Porte votre situation, vous pouvez aller acheter quelques palettes pas chères. Déjà, je vais vous présenter la marque. C'est la marque Revolution. Celui-ci, on va commencer par cette palette. Cette palette, je l'adore déjà. Vous voyez, regardez-moi toute cette belle couleur. Il y a vraiment de quoi faire. En plus, c'est des couleurs assez nude, un peu irisées. Il n'y a pas vraiment de, comment dirais-je, il n'y a pas vraiment de fard mat. Mais je trouve qu'ils sont quand même assez... assez léger et assez pigmenté. Vous voyez, je vous le montre plus près. C'est vraiment très très joli sur les tons rose, doré, blanc, noir pailleté. C'est vraiment une palette vraiment très très léger de la marque Revolution. Et franchement, il y a de quoi faire. Il y a également celui-ci, deuxième palette que j'ai. Je l'ai checké parce que j'adore les couleurs. Donc, on a quand même aussi des tons assez chauds, un petit peu vraiment très, très légers. Il y a un peu, c'est un petit peu, on va dire, un petit peu similaire que celle-ci. Alors, attendez, c'est un petit peu similaire que celle-ci, mais ça se rapproche un tout petit peu. Mais pas vraiment, parce que celle-ci, c'est vraiment tout ce qui est pailleté, irisé, si vous adorez tout ce qui est paillettes. Et celle-ci, c'est sur les tons vraiment rose, marron. Il y a aussi des fards mat, vous voyez. Il y a à peu près un peu tout. Et cette couleur-là, elle est vraiment just wow. Je vais voir au niveau de la pigmentation. Regardez, c'est vraiment pas mal comme couleur. Déjà, la pigmentation, elle est au rendez-vous. Et c'est vraiment des palettes à petit prix. Il me semble que je l'ai acheté moins de 10 euros. Et vous voyez, vous pouvez faire pas mal de choses sur cette palette. Elle est magnifique. Regardez-moi ce rose. Alors, attendez, je vais juste prendre un petit pinceau pour vous montrer. Elle est magnifique. Je la trouve très, très, très belle. J'adore cette palette. Toujours de la marque de... Révolution à petit budget. Donc vous voyez, regardez, c'est vraiment moi j'adore cette marque là parce que non seulement c'est pigmenté et c'est à petit budget, et il y a celle-ci aussi, voilà, sur les tons neutres, un petit peu pareil, pailleté. On a quand même les fards mat, hein, ici et celle-là, et je la trouve magnifique. C'est vraiment sur les tons neutres, vraiment c'est chic quoi. Si vous arrivez à faire un maquillage pour le travail, pour sortir avec des copines, tout simplement aller au restaurant, c'est même pour un mariage aussi, c'est très très sympa. Toujours au même prix et au même tarif, je les ai achetés moins de 10 euros. Il me semble que c'est 9 euros que j'ai acheté. Donc je l'ai acheté chez Monoprix. Je les ai trouvés chez Monoprix et franchement, je regrette pas. Je regrette pas parce que voilà, j'ai vraiment vraiment de quoi faire. Et si vous voulez des palettes à petit budget et des palettes très très pigmentées, je vous invite à aller directement. J'ai pris également le Glow Fix pour fixer le maquillage. Vous savez, quand vous faites votre maquillage et que vous mettez le spray, celui-là, il est vraiment très très bien. En plus, ça vous évite d'avoir des taches sur vos masques. Et c'est excellent. J'ai pris également celui-là, Glycolic Acid Skincare à base d'aloe vera. Alors ça, c'est un spray pour plus d'hydratation. Celui-là, c'est plus pour hydrater votre peau. J'utilise le matin et le soir. Ça va apporter beaucoup d'hydratation parce que c'est à base d'extrait d'aloe vera. Spray essence à l'acide glycolique. C'est un spray hydratant
pour le visage, l'acide glycolique est infusé avec des extraits d'aloe vera riche en vitamines. Ça aide aussi à apaiser la peau. C'est conseillé de le laisser au réfrigérateur pour conserver cette fraîcheur et ça garde l'hydratation toute la journée. Vous cherchez un spray hydratant qui est très très bien, qui est parfait et pas cher, je vous le conseille. La marque de Révolution, le dernier, j'ai pris cette palette. Je suis un petit peu déçue parce que je l'ai reçue, alors c'est avec miroir, donc je l'ai reçue comme ça. Voilà, je l'ai reçue comme ça et il manque un fard. Bon, je sais pas pourquoi, mais voilà, en tout cas, je l'ai reçue comme ça. La couleur violet, ça m'a beaucoup, beaucoup interpellée parce que moi, j'adore les couleurs. J'adore en plus là, le soleil qui arrive, tout le monde est dehors, on peut aller au restaurant, mettre un petit peu de peps dans sa vie. Et moi, j'adore les couleurs. Regardez-moi cette couleur-ci. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est très poudreux parce que dès que je fais ça, vous voyez, rien que de faire ça, voilà, c'est assez poudreux, mais c'est aussi très, très, très pigmenté. Vous voyez, regardez, c'est très, très pigmenté. Et les couleurs sont vachement, vachement jolies. J'adore ces couleurs. C'est dommage que, voilà, je l'ai reçu comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai hâte de tester cette palette. Et ça m'a coûté, cette palette, moins de 20 euros, je crois. Vous le mettrez en barre d'infos. Ensuite, j'ai reçu, j'ai commandé la marque de NYX Cosmetics. Regardez-moi ces couleurs. C'est vraiment magnifique. Pour faire des traits d'eyeliner, vous voyez, vous pouvez prendre ce type de palette. Pour vous faire des petits traits d'eyeliner, vous allez voir, c'est magnifique. C'est très, très beau. Tout le monde connaît cette marque. C'est vraiment une marque où 90% de personnes adorent. Parce que voilà, c'est de très, très, très jolies couleurs. Moi, j'adore les couleurs. Aussi, commander ce rouge à lèvres de Banana Beauty. C'est celui que je porte là. Et je trouve que c'est assez sympa pour des personnes qui ne veulent pas trop rouge à lèvres, trop rouge, trop flashy, un petit peu discret. Et voilà, cette couleur, elle est magnifique. J'adore. Donc ça, c'est Beauty Banana. Vous voyez, elle est magnifique. C'est une couleur, voilà, c'est celui que moi j'ai mis. Hein. Donc vous voyez, je vais le mettre ici que vous le voyez. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, j'adore. J'ai entendu parler de ce mascara de J'aimais Maybelline. Celui qui vient de sortir, c'est le Sky Height Maybelline. Donc, il m'a l'air... voilà, le picot, vous voyez, c'est très, très fin et assez long. Bon, à tester, hein, à tester. On va voir ce que ça va donner. Si vraiment ça donne des longs cils. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore testé. Donc, je ne vais pas pouvoir vous en parler. Et en dernier, chez Lidl Price, j'ai pris celui-ci, ce rouge à lèvres nude. Alors, on va voir ce que ça va donner. Donc, je l'ai acheté chez Lidl Price. Donc, vous voyez, la couleur, elle est magnifique. Comme il y a le soleil qui est là, l'été qui arrive. Et voilà, c'est ces tons-là qu'on adore parce que c'est juste parfait. Comme rouge à lèvres et ça coûte franchement pas cher, c'est moins de 5 euros ce rouge à lèvres là. C'était fini, mais il y a un dernier, un crayon que j'ai aussi acheté de la marque Maybelline, le Tattoo Liner. C'est un crayon qui fait sorte de tatouage et ça dure assez longtemps. C'est un tattoo eyeliner de la marque de J'aimais Maybelline. Vous pouvez vous faire vos traits d'eyeliner et ça dure très très longtemps. Regardez l'embout, comment c'est, je vais vous le swatcher ici, vous voyez, regardez, c'est hyper fin et franchement c'est topissime. Donc vous voyez, là quand je tapote, j'ai rien du tout, vous voyez, ça sèche assez rapidement et c'est pas mal, c'est vraiment vraiment pas mal. Celui-ci, je vous le recommande, je l'ai acheté à 9,90 € ou 9,99 €, mais c'est pas mal comme produit. Je vous ai montré un petit peu les produits que j'ai acheté. Oulala, ça coûte ça. Si vous voulez vraiment avoir des produits pas chers et
des produits assez pigmentés. Moi, je vous conseille aussi la marque de NYX. Moi, j'adore. Pour les fans de maquillage, je pense que vous êtes toutes passées par Revolution. Si c'est pas le cas, allez vous en procurer parce que vous ne serez pas déçus. En plus, c'est des palettes qui durent assez longtemps. Vous aurez largement une année voilà, à l'utiliser, à le massacrer si vous voulez. Mais franchement, c'est vraiment un très très bon investissement, on va dire, au niveau prix, tout simplement. Parce qu'on sait que les maquillages, ben voilà, c'est pas donné quoi, c'est assez cher. Voilà, ben écoutez, ce fut la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez adoré. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, pensez à vous abonner, à commenter, à liker, lâcher le pouce bleu, ça fera énormément plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!